Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez les gars en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'emplacement sur les pièces violettes. Donc on commence tout de suite avec les pièces violettes, donc il y a en tout 4 pièces violettes cachées sur la map. Donc la dernière saison, je vous avais pas fait de vidéo sur les emplacements des pièces, qu'elles soient vertes ou violettes tout simplement, parce qu'elles ne donnaient pas assez d'XP. Mais cette saison, le taux d'XP a été augmenté pour les pièces, et du coup c'est un petit peu plus intéressant de les faire surtout pour cette saison. Donc pour les pièces violettes, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous les ramassez, elles explosent en plusieurs petites pièces. Si vous arrivez à ramasser toutes ces petites pièces, vous obtiendrez en tout 10 300 d'XP, ce qui est vraiment ultra intéressant. Donc du coup les gars, je vais vous montrer en game une petite technique pour récupérer à coup sûr toutes les petites pièces et obtenir ces 10 300 d'XP, et je vais vous montrer du coup où sont cachées les 4 pièces d'XP. Donc c'est parti. Et donc voilà, re les gars, on se retrouve en game. Donc la première pièce d'XP violette se trouve tout simplement juste ici à Holy Edge. Donc tout simplement en B5, vous avez une maison jaune avec du coup l'arbre qui est juste ici, et dans un des angles des buissons, donc là on peut le voir, donc là il y a la maison jaune, là vous avez du coup l'arbre avec les bancs autour, juste ici, donc à l'angle des buissons, vous avez du coup une pièce violette. Donc tout simplement, je vais vous montrer la technique pour essayer de perdre le moins de petites pièces possible, parce que je rappelle qu'à chaque fois que vous loupez une petite pièce, vous perdez de l'XP. Donc tout simplement, la technique, c'est d'aller chercher un maximum de bois, ensuite de casser tout autour de la pièce violette, comme ceci. Donc vous cassez, ensuite vous mettez du coup du bois pour construire, vous essayez d'enfermer la pièce violette tout simplement. Ensuite vous vous dépêchez de rentrer, vous l'activez et vous fermez. Et là normalement, hop là, vous voyez, toutes les pièces d'XP tombent sur moi et elles ne sortent pas. Voilà, donc du coup ça les laisse prisonnières dedans. Et là j'ai récupéré toutes les pièces d'XP et ça vous donne, si vous n'êtes pas en partie perso comme moi, donc comme je vous le répète, moi je ne gagne pas d'XP parce que je suis en partie personnalisée. Donc c'est pour ça que j'arrive à être en game tout seul, donc moi je ne gagne pas d'XP. Mais si vous le faites en game normal, vous obtiendrez 10 300 d'XP vu que vous avez récupéré toutes les petites pièces. Donc pour la deuxième pièce d'XP violette, les gars, rendez-vous à l'autorité tout simplement en plein milieu de la map, donc tout simplement en E4, juste ici. Vous allez tout en haut sur le toit de l'autorité, donc vous atterrissez dessus, et normalement, vous voyez la pièce d'XP violette. Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est que comme tout à l'heure, vous faites un petit carré et vous la récupérez. Donc là, pour ma part, je vais pas le faire parce que comme je vous ai dit, je suis en partie perso, du coup l'XP ne compte pas, donc j'irai le faire en game normal. A savoir aussi, les gars, ultra important, qu'une fois que vous avez récupéré les pièces d'XP d'un endroit, vous ne pouvez plus la récupérer, elle disparaît, voilà, elle serait... donc les pièces d'XP sont récupérées qu'une seule fois, donc qu'elle soit verte ou violette. On passe à la troisième pièce d'XP. Pour la troisième pièce d'XP les gars, rendez-vous tout simplement à la flottille qui se trouve tout simplement en B6. En point de repère, vous pouvez prendre qu'il y a une petite île juste ici avec un conteneur. Vous avez le petit palmier ici, et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas la pièce d'XP, c'est tout simplement parce que je l'ai déjà récupérée. Donc elle se trouvera tout pile juste ici, donc vous avez la petite montée, donc là juste ici c'est une petite montagne. Vous avez le petit palmier, et si vous n'avez pas récupéré la pièce d'XP violette, elle se trouvera juste ici. On passe à la quatrième et dernière pièce d'XP violette les gars. Pour la quatrième et dernière pièce d'XP les gars, rendez-vous dans les montagnes se trouvant tout simplement en H6, donc la montagne la plus à droite, donc au sud de Retail Road, donc juste en dessous. Voilà, vous avez Cathy Corner à côté, et cette montagne-ci, tout simplement, vous avez la petite pièce d'XP qui est juste ici entre les deux drapeaux rouges pour les skieurs. Donc tout simplement, comme d'habitude, vous la récupérez. Et donc voilà les gars, on a récupéré la dernière pièce d'XP. Si Fortnite en rajoute, je vous ferai des vidéos sur les nouveaux emplacements. Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.